D'ici là, tout de suite, je pense qu'on va commencer en musique. Tu en as parlé tout à l'heure. Elle s'appelle Clou. Elle est finalement, j'ai envie de dire, une découverte pour RTS parce que ça fait pas très longtemps qu'on l'a découvert sur RTS. Elle vient de sortir un EP qui est magnifique, magnifique. Elle va nous en parler tout à l'heure. Les clips sont hallucinants, vraiment. C'est un style que j'adore. On en parlera avec elle. Elle a accepté le rendez-vous du RTS Live et elle nous a enregistré deux petites chansons il y a quelques heures. On va les écouter et on se retrouve en direct avec elle juste après. C'est parti.
Rouge. Et comment deux titres extraits de l'EP, du nouvel EP de Clou, comment vous avez l'habitude d'entendre sur RTS si vous êtes à l'écoute, bien évidemment, dans le sud de Toulouse à Avignon, rtsfm.com pour le site, on vous le rappelle. Elle va être avec nous d'ici quelques secondes pour nous en parler. Enfin, normalement, est-ce que tu es là, Clou ? Je suis là. Est-ce que je lance ? Vas-y. Je lance, on y va. Je pense que tu peux. Ah ! Hey ! Bienvenue ! Salut ! Merci ! Merci. Déjà, apparemment, tu aimes lire. Ouais, c'est pour me la raconter un peu, parce qu'en fait, c'est de la déco, tu vois, c'est des faux. Ok, d'accord. C'est la même chose, moi, donc, comme je disais, je suis chez ma copine, et j'ai dit, vas-y, fais-moi quelques livres, j'ai posé quelques livres derrière pour faire genre. Mais bon. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Mais en vrai, tu vois, ma déco, c'est plutôt des trucs comme ça. Ah, voilà. Quoi, c'est des pâtes de glace, c'est quoi ? C'est de l'autre côté. Ah, c'était un truc, c'était un ami qui s'est moqué de moi parce que je mange des knackis, donc voilà. Ah, c'est des knackis, d'accord. Ah, c'est des knackis. Ah, ouais. C'est excellent. Voilà. Excellent. Excellent. Bon, comment ça va ? Bah, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. Ouais, ouais. Et toi, comment ça va ? Bah, moi, super. Je suis content, je pense, comme tout le monde, comme vous, chez vous aussi, de voir qu'on commence finalement à retrouver une vie à peu près normale. Petit à petit, on y arrive. Tu es sorti depuis qu'on a le droit ? Tu es ressorti ou est-ce que tu n'y arrives plus que tu restes... Non, je ne veux plus sortir maintenant. Je suis très bien chez moi, finalement. Ouais, mais c'est difficile de ressortir normalement. On a tous un peu peur, on est tous un peu marqués. Je ne sais pas si on est traumatisé, je ne pense pas quand même, mais les masques, etc., c'est quand même un petit peu encore angoissant. Ça fait un peu bizarre de retrouver en fait une activité dans les rues comme on a pu en connaître une, mais avec effectivement ces masques qui sont là pour rappeler que ouais il s'est passé ça et puis que c'est encore un petit peu ça existe encore quoi. Ça existe encore. Mais bon c'est super agréable. J'ai refait du vélo. J'étais trop contente. Je suis ravie quand je rencontre des gens. Enfin je veux dire j'ai tout ce que j'ai. Enfin j'étais blasée avant et maintenant je suis heureuse. Ouais. Bon, moi, ça s'est passé comment toi ton confinement en fait tu il en a marre. Écoute, ça s'est passé. Je me suis adaptée comme tout le monde. J'ai pas à me plaindre. J'ai pas eu un métier à risque. Donc j'en ai profité pour faire de l'introspection, pour dormir, pour écrire, pour faire du dessin, pour faire des choses comme ça. Et pour appeler beaucoup de gens. J'ai appelé beaucoup, beaucoup d'amis. C'est ma facture téléphone. J'allais dire, les opérateurs téléphoniques qui se sont frottés les mains. Allez, explosez votre forfait, allez-y. Exactement. Je pense que c'était fou, quoi. Tu passais 2 heures au téléphone avec quelqu'un. Ouais, c'était... Mais c'est bien, ça a rapproché aussi. Carrément. Voilà. Donc, non, plutôt bien. Franchement, ça allait. Dis-moi, je suis juste un petit peu étonné, tu vois, je m'attendais à toi. Alors, je sais pas si c'est pas une marque de fabrique, mais d'habitude, je m'attendais à ce que tu sois habillée avec quelque chose de rouge sur toi. Ah ouais, je fais pas exprès, mais j'en ai beaucoup de vêtements rouges. Souvent, Je fais pas exprès. Non, là, je me suis dit que années 90, 80, on. Est-ce que tu peux aller te changer, s'il te plaît ? Tu peux aller te changer. Ah, vous êtes dur, mais j'ai des stylos rouges, tu vois. J'ai quand même des trucs. Ah, ben bah voilà. Ouais, voilà. Bah, tiens, griffonne un peu sur ton haut, là. Voilà. Non, mais j'ai ma tasse à café qui est rouge, regarde. Bah, tiens, voilà. Waouh. Wow. Bien les jeunes. On a tous la tasse à café parce que vu qu'on commence tôt. 14h. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, du coup, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, qui viennent de te découvrir à travers ces deux chansons, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu Clou, l'artiste ? Alors, certainement pas. Il n'y a pas moyen. Non, mais, écoute, comment dire, je suis chanteuse, autrice-compositrice, interprète. Je fais de la chanson avec des couleurs pop. Des couleurs rouges. Des couleurs rouges et des chansons avec un mélange de légèreté et de tempérament. Voilà, je peux dire ça comme ça. Finalement, là, on parle beaucoup de l'EP qui est sorti il y a quelques semaines, mais ce n'est pas ton premier EP. Non, j'ai sorti un EP il y a quelques années et puis j'ai sorti des singles aussi pendant ce temps-là. J'ai fait un duo avec Cocoon et j'ai fait une reprise aussi d'une chanson d'un monsieur qui s'appelle Yves Simon il y a quelques années. Donc j'ai quand même eu des activités musicales. C'est quoi, c'est Diabolomante que t'avais repris ? Non, c'est Soko qui avait pris Diabolomante. Ah, oui, mais toi ? Moi, j'ai repris les Gauloises Bleues. Ah, les Gauloises Bleues, ok. Moins connues, mais qui... Voilà. Et alors, au-delà de l'EP que vous pouvez bien évidemment retrouver un petit peu partout, hein, sur les plateformes de téléchargement, sur Spotify, etc., il y a les clips. J'ai remarqué qu'il y avait un vrai travail de recherche autour de tes clips. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Et
J'en ai vu un que vous n'avez certainement pas vu chez vous, mais que vous allez découvrir mardi prochain. C'est celui d'un extrait. C'est celui d'un des extraits de l'EP qui s'appelle Comme au cinéma, sur lequel tu n'as pas travaillé seul. Tu t'es entouré de Vincent Delerme. Est-ce que tu peux, sans nous révéler comment sera le clip, nous en parler un petit peu? Eh bien, je peux te dire peut-être des mots-clés. D'abord que j'avais adoré le film de Vincent. Il a sorti un film au mois d'octobre de l'année dernière qui s'appelle Je ne sais pas si c'est tout le monde et que j'avais beaucoup aimé. Et pour cette chanson qui s'appelle Comme au cinéma, j'avais très envie d'une image cinématographique, photographique et que j'ai pensé à lui assez souvent pour le faire et qu'il a fallu le confinement pour que j'ose envoyer un message. Voilà. Et après, on a fait un clip ensemble. Enfin, c'est lui qui a réalisé le clip. Et... Mais c'est avec lui, en fait, que tu as passé 2 heures au téléphone à chaque fois. Ouais, c'est ça. Pas du tout. Pas du tout. Il est pas très téléphone, il est texto, Vincent Delerme. Ah ouais. Mais oui, on a pas échangé tant que ça. C'était vraiment au feeling aussi. Hein. Ça s'est fait, c'était très, très arty, quoi. Il s'est dit, allez, je viens avec la caméra, on voit ce qu'on fait. Voilà. C'est quoi le programme pour la suite pour toi? Donc là, il y a l'EP. Est-ce qu'il y a un projet d'album? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais, c'est. Tu y travailles en ce moment? Non, l'album est terminé, il est prêt. Il sort à la rentrée. Il sort. On n'a pas encore de date vraiment, mais c'est à l'automne. Voilà, on dit ça comme ça. Donc on a un petit peu de temps pour le préparer. Et puis on verra aussi en fonction des concerts, des salles de concert et du spectacle vivant. Et ça, comme c'est encore un brouillard, un petit flou artistique, forcément, ça s'en ressent sur les sorties d'albums. Ça a eu des conséquences sur toi? Tu avais des choses de prévues qui ont dû être décalées ce confinement? J'ai eu quelques concerts. Après, j'avais pas une tournée planifiée, donc je ne suis pas impactée comme d'autres personnes. Mais la scène, c'est vraiment ce qui fait que moi, je tiens debout, quoi. C'est le sel, c'est la récompense de travailler chez soi. Et de faire des chansons tout seul dans sa chambre, bim, après t'as le concert, et là tout d'un coup tout s'arrête. Et même je devais aller voir, il y avait des concerts de prévu, juste d'aller voir quelqu'un, tu vois, et tout, enfin ça aussi c'était beau. Petite question qu'on a dû te poser 50 000 fois et qu'on doit te demander à chaque interview, pourquoi? Comment? Pourquoi Clou? Vas-y, je t'ai coupé la parole, je sais. Et alors pourquoi? Eh bien, c'est mon surnom d'enfance, Clou. D'accord. Je m'appelle Anne-Claire et mes parents m'appelaient Anne-Clou. Ok. Et, c'est devenu Clou et tout le monde m'appelle Clou. Rien à voir avec le bricolage. C'est pas un placement de produit. Non, pour... mais je suis grillée, quoi. Mais bien sûr, c'est un placement de produit. Ah, tu touches de l'argent à chaque fois. Hein. Ouais, c'est ça, c'est Weldon. Exactement. Par la société protectrice des clous, à chaque fois que mon nom est mentionné, je reçois genre 0,004 centimes. Voilà. En revanche, si on peut vraiment tout évacuer les vannes là-dessus, c'est bon, tu peux quand même aller dans l'eau ou tu risques de ressortir tout rouillé? Vas-y. Celle-là, je crois qu'on l'a déjà faite, celle-là. Bah oui, ça me surprendrait. L'inverse, on l'a déjà fait. Bon. J'attends les vannes inédites. J'attends. D'accord. Là, tu vas en avoir. Bah, tiens, en parlant d'étincelles, moi, je voudrais qu'on. Vu que tu sais, on est un peu dans ce thème des années 90-2000. On connaît ton univers, on a été un petit peu fouillé du côté d'Internet et tout ça. Je voudrais savoir si quand tu étais ado, tu étais dans le même univers. Qu'est-ce que tu écoutais, toi, quand tu étais ado? Je suis sûr qu'il te reste des preuves de tout ça. C'est l'instant plaisir coupable. Ouais. C'est l'instant plaisir coupable. J'assume complètement les goûts que j'avais quand j'étais adolescente. Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas coupable. Je veux dire, je... Faites une battle tous les deux. On va faire un battle. On montre. Alors, je ne sais pas si vous avez connu ça chez vous. À l'époque, on était à fond single, CD 2 titres, dans lequel il y avait le single et un autre titre. Bon, aujourd'hui, ça se fait un peu moins, mais voilà, on n'avait pas Spotify il y a 10-15 ans. Donc, on faisait avec ça. On y va? On en présente un chacun? Ouais. Allez, vas-y. Mais pas... on y va. Alors, Ace of Base. Oh yes, les ABBA des années 90. Mais avoue que t'as écouté Soft Base. Bien sûr, All That She Wants. Bien sûr. Adoré, bien sûr. Voilà. Ça va, c'est pas honteux, ça. On en passe encore, d'ailleurs, dans Génération RTS le soir. Bien sûr. Ah, respect. Alors, Nico. Aïe. Non, ça on passe pas, je crois. Hein. C'est... aïe. On a arrêté. Des fois, je le mets, mais on me l'enlève. Il passe jamais. Ouais, c'est ça, oui. En fait, Nico, le problème, c'est qu'il se pointe avec des CD à la radio régulièrement. Il dit, est-ce qu'on pourrait pas passer Benga Boys? Non, Nico, pas possible. Je suis désolé. C'est plus, non. Déjà, à l'époque, on hésitait, quoi. Hein, tu vois. Mais c'est marrant parce qu'il faut s'imaginer quand même qu'on y allait avec notre argent de poche. Tu vois? Ouais.
on en avait, moi j'en avais pas beaucoup, et donc vraiment c'était un achat de cœur. C'était vraiment parce que j'allais l'écouter en boucle, quoi. Donc toi, t'allais écouter en boucle les Venga Boys. Ah, mais complètement. En fait, le peu d'argent de poche que t'avais, tu le claquais dans les Venga Boys. C'est ça qu'elle est en train de te demander, en fait. Voilà, c'est après, exactement ça. Par contre, tu peux redire que t'étais triste et que t'avais pas beaucoup d'argent avec une musique un peu triste, s'il te plaît. Ah ouais, pardon. J'avais très peu d'argent de poche. À l'époque, c'était des francs. Et c'était, je sais pas, franchement, je me souviens pas, mais j'achetais des bonbons. Pendant 2 mois, t'avais pas mangé pour te payer l'album. Attends, pendant 3 mois, j'ai économisé pour ma fille. Ah oui. Tu sais qu'il est dans le commerce international, Kamel, maintenant, le chanteur d'Alliance Ethnique. Hein. Il est aux États-Unis. Ouais. Ah là là. Bah écoute, quel talent. Moi, j'écoutais ça, j'adorais. Avec le clip. J'étais archi fan. C'était pas dans ce clip-là où ils étaient dans une voiture et ils étaient tous en. Alors ça, je sais pas. Chose. Ouais, bon. Bref. Je regardais pas le. Ah. NTV, d'accord. Tout ça. Plus tard, j'ai regardé, mais collège, pas trop. Ouais. Tu vois. Nico. Nico, il a honte maintenant. Aïe, Billy Crawford. Ah ouais. Ça, c'est dur. Avec la corée qui faisait comme ça. Là. Ouais, ah ouais, tout à fait. Ah, tu la gères, tu gères. Moi, je sais pas. Aff. Attends, mon armoire s'en rappelle, Nico. Cette chambre s'en rappelle. Mon Dieu. Là, il y a Clou, elle est en train de se demander, mais on m'a pas dit que ce serait comme ça finalement. Je sais pas si moi je bosse avec Vincent Dolaire. On a tous des trucs un peu dossiers, enfin. Ouais, on en a. Bon, Clou, un dernier pour toi. Bah, écoute, un qui vraiment qui est plus classe, un plus classe, ou je reste dans le dossier. Allez, vas-y. Je peux te faire les deux. Je peux te faire Alanis Morissette. Ah ouais, bien. Classe. C'est son anniversaire bientôt d'ailleurs. C'est vrai. Oui, j'ai vu ça. Je crois que c'est lundi ou mardi. Bon anniversaire à la Nice. Moi, j'étais fan. C'est lequel? C'est You Are Tano? Non, c'est pas celui-là? Et non, c'est Hand in My Pocket. Hand in My Pocket, c'est le premier vraiment qu'on a connu en France, ouais, sur la Longe Little Pill. Exactement. Et après, il n'y a plus dossier, il y a Maria Carey et Boyz II Men. Et là, c'est Mais oui, mais celui-là, il traîne de partout. Dans toutes les chambres d'ado, il y a un Boyz II Men. C'est pas possible. Ouais. Sachant que Boyz II Men était un peu la caution pour Mariah Carey sur ce titre. Comme ça, tu disais, non, mais moi, c'est pas Mariah Carey, mais je suis très branché à R&B américain. C'est vrai, tu vois, c'est vrai, exactement. C'est ça. Alors que bon, quand même. Mais bon, je rêvais d'être, tu vois, d'être comme elle, quoi. D'être genre l'air de rien, de trop, trop belle, trop, trop intelligente et trop. Voilà, quoi. Mais Nico aussi, je crois, rêvait d'être comme Mariah Carey à l'époque, hein, non? Complètement. J'ai réussi à une époque, puis après, j'ai arrêté. Ouais. Bah, tu ressembles de plus en plus, à moins que ce soit elle qui te ressemble, je ne sais pas. Bon. C'est elle qui, voilà, c'est exactement ça, c'est elle. Bon, avant de passer, parce qu'il nous reste pas mal de petites choses à faire ensemble avec toi, Clou, on va accueillir juste Camille, qui est avec nous, Camille d'RTS, qui ne doit pas être très loin, parce que c'est elle, les amis, qui s'occupe du chat et qui s'occupe de vous faire entrer, qui s'occupe de parler avec vous en direct. Ça va, Camille? Coucou, ça va? Et toi, Camille? Camille, t'avais quoi? T'avais moins 3 ans à l'époque, dans les années 90, toi. Ouais, c'est ça. Non, moins 5, ouais. Bon, écoute. Mais ce qui est bien avec Camille, parce que je la connais, Camille, en fait, elle n'était pas là dans les années 90, mais aujourd'hui, elle écoute les trucs des années 90. Elle n'a pas compris, elle, en fait. Ouais, c'est ça. T'es née en quelle année, toi, Camille? 95, ouais, c'est ça. Voilà. T'imagines? C'est dur. C'est dur pour vous, surtout. Ouais. Benga Boy, c'était déjà honteux à l'époque, tu vois. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Par contre, Billy, tu l'écoutais, quoi. Ouais. Continue d'ailleurs. Vous montez en voiture avec Camille, il y a du Billy Crawford encore aujourd'hui. Tout le temps. C'est vrai. Camille, comment ça se passe sur le chat? Ah là, vous êtes hyper nombreux à demander de tous les artistes. Il y a du Erza, il y a du Lou, il y a du Vianney. Arrêtez de demander quand passe Clou, elle est déjà là, vous voyez bien. Elle est déjà là. Alors, tout le monde parle de Clou aussi, belle découverte, etc. Donc, c'est super sympa. C'est cool. Ah, ça fait plaisir. Voilà, il y a pas mal de monde sur le chat YouTube, sur le chat aussi Facebook. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, on vous répond. Et puis, voilà, vous êtes super nombreux, donc ça fait plaisir. Clou, je sais que tu aimes bien les chansons françaises. J'ai lu quelques interviews de toi, j'ai vu que tu avais pas mal d'inspiration du côté des grands de la chanson française. Camille nous a proposé un petit jeu par rapport à ça dans quelques instants. Mais pour jouer, on va retrouver deux personnes qui... il y en a un qui nous a manqué sur RTS pendant quelques temps parce qu'il n'était pas trop là. Parle-t'en nos toi. Deux Matinialés, Matinalier, Gis et Matinialé, Gis et Loris. Salut les gars!
Salut! Ah, yes! Yes! Ah, ils sont Hello! Voilà. Vous pourriez tous les matins, je dis, c'était encore à la radio, Loris faisait encore les flashs, voilà, mais voilà, donc c'est l'équipe du matin, en fait, de Bonjour le Sud, tous les matins sur RTS, Gis et Loris, et depuis déjà au moins, ça fait quoi, 45 ans, je pense que vous êtes le matin. Ça, c'est la longueur de ma barbe, du coup, hein, c'est, tu le vois. J'essaye de te rattraper, mais j'arriverai jamais, regarde ça, quoi. Ça fait 3 mois que j'essaye, quoi. C'est honteux, quoi. De Gis, quoi, comment... ton engrais? Gis, c'est comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé pour toi? Parce que tu étais tout seul à la radio pendant 2 mois et demi. C'est ça, seul au monde. Tout, pendant, tout est sale là-bas, du coup. Et... Mais c'est ça. Là. Qui êtes-vous d'ailleurs? Je ne connais personne. Ouais, 2 mois à venir tout seul à la radio, c'est une ambiance vraiment bizarre à vivre. Bon, on l'a vécu avec, heureusement, voilà, les auditeurs, les commerçants que j'ai eu au téléphone pendant toute cette période qui... voilà, qui ont vraiment transpiré la générosité, la solidarité à travers l'antenne. Et moi, bah, personnellement, ça faisait vraiment bizarre d'avoir de l'écho toujours dans la radio, effectivement, et puis repartir tout seul. Donc voilà, vous m'avez manqué. Ça fait bien de vous voir vos bouilles quand même. Parce que... J'y c'est quand même un pacha. C'est-à-dire que le matin, il y avait tout le monde, quelqu'un pour lui faire son café, pour lui beurrer ses tartes, un massage des pieds par-ci. Et, vas-y, et là, du coup, ça t'a fait bizarre d'un coup. Hein, exactement, je suis revenu à la vraie vie. Merci, mon Eric. Tu reviens quand tu veux parce que voilà, du coup, je mange plus depuis 2 mois. Voilà, ben non, rien. Et pendant que les auditeurs transpiraient la générosité, comme tu l'as dit, toi tu transpirais tout court parce qu'on avait coupé la clim. Il y avait juste l'électricité et il était là tout seul dans son petit studio. Et alors, faut savoir aussi que Gis, c'est lui qui rentre les 10, par exemple le 10 de Clou, c'est lui qui l'a pris dans ses petites mains pour la machine. Ah, merci. C'est le programmateur musical. C'est lui qui a des coups de cœur, par exemple. C'est lui qui dit, mais Clou, faut absolument qu'on la passe. Clou, faut absolument qu'on l'écoute, qu'on l'invite pour les RTS Live, etc. Donc c'est lui. Bah, trop cool. Bah, merci. Avec plaisir et avec Nico effectivement aussi qui œuvre vraiment à découvrir les talents, les talents de demain et on écoute ça avec je trouve que Nico on le met avec à chaque passion. Fois qu'on les reçoit. On met déjà beaucoup Nico en valeur, c'est pas la peine d'en rajouter. Oui, c'est vrai. Loris, t'as fait quoi pendant 2 mois avant qu'on passe au petit jeu? Eh ben moi ça a été assez particulier parce qu'on a continué à bosser mais on a fait de la radio de la maison, donc c'était assez inédit. Je faisais mes infos depuis mon salon pendant que Gis du coup m'écoutait sans me voir, donc c'était assez particulier mais c'était assez intéressant aussi. On a travaillé autrement et on a eu un lien qui était autre avec les auditeurs, mais on a senti qu'ils étaient toujours là avec nous, donc c'était quand même assez important et c'était assez réjouissant également. Donc on a pas mal mangé aussi pendant ce confinement. Ça se voit, je pense. Voilà. Pas mal mangé, pas beaucoup rasé non plus, mais bon, on a fait avec et là on revient à la vie normale, enfin quasiment à la vie normale, donc voilà. Et on est content et on va avoir l'été pour faire du sport et reprendre tout ça tout ou neuf pas. À la rentrée. Ou pas. on verra bien. Donc, Camille, j'ai pas eu la chance moi de faire de la radio en caleçon comme vous, comme Eric, comme Loris, comme Nico. Voilà. Non, moi je suis habillé pendant 2 mois. Quoi. Moi j'étais en chemise en haut et en caleçon en bas du coup. Ah oui, mais ça, voilà. Tout fait, ouais. Voilà. Bon, passe au petit jeu, Camille. Tu nous en dis Allez. Plus? Donc, on va faire un petit blind test. C'est spécial chanson française. Donc, j'espère que vous allez reconnaître parce que je ne chante pas trop, trop bien. Ah, mais là, c'est toi qui chante. Chante, ah oui, d'accord. Non, je vais vous chanter des petits airs et vous allez devoir reconnaître la chanson que c'est. Bon. Okay. C'est bon? Bon pour vous? Ouais. Oui, oui. Allez, yes. Première chanson. Du coup, ça fait... Na, 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 les copains d'abord. Allez, égalité. Hein, Clou et Gis, je sais pas entre les deux qui c'est qui a gagné. C'est Clou. Allez, Clou, évidemment. Ah. Mais Camille, il y a une vocation quand même hein, derrière tout mais ça. Clou, on est d'accord, je chante trop bien. Toi, t'as une technique vocale. Est-ce que tu trouves que tu vois, c'est quand même, il y a du niveau quand même là, non? Non, mais elle chante juste. Elle chante voilà. Juste, mais voilà. Faut y aller, faut y croire. Ça, c'était comme quand on dit tu le trouves beau, bah il est sympa. C'est pareil. Ouais. Il a du charme, ou dans il a vachement ou charme. Ou dans le, sud, dans le sud, tu dis il est brave. C'est voilà. Ça. Il est brave. Ouais, voilà. Pas grave, je prends ça pour un compliment. Non, allez, c'est, non, c'est juste. C'est juste. Vas-y. Bon. Deuxième extrait. Na 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 Ah ouais? C'est vrai, c'est vrai. Ah, j'ai pas entendu. C'est vrai. J'ai dit Jacques, elle a dit Brel. Voilà. Alors, je vous mets un point chacun, allez.
Allez, un point chacun. Ah, vous êtes trop gentil. Ouais, c'est okay. Bon. Ça nous perdra, je sais. Ah, moi, il n'y a pas de pitié dans les blind tests, tu vois. C'est vrai. Ah, ouais, là, bon, c'est après, on peut la jouer à œil pour œil, dent pour dent et tout, il n'y a pas de souci. Hein, mais bon, non, il n'y a pas moyen. on peut se faire aider ou pas? Non, ah, tu peux. En fait, alors il faut vraiment qu'on vous dise. En fait, le vrai programmateur musical d'RTS, c'est son chat, en fait. Hein. Allez, vas-y, Camille. Bon, troisième extrait, du coup. Ouais. Emmenez-moi au bout de la terre. Aznavour. Ouais. Oh, mais j'ai même pas eu le temps de chanter. Ce sont vraiment que des artistes RTS que t'as choisi, Camille. Et ça, c'est beau, déjà. On est d'accord. C'est très actuel. Je vais vous faire un quatrième. Je ne sais pas si vous allez le reconnaître, celui-là. Il est un peu plus dur. Hein. Bah ouais. Na, 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 na. Tu passes un héros? Ouais, ouais, bien. Balavoine. Oh, Balavoine. Ah ouais, bien. Franchement, elle est forte. Ah, eh, alors 3 pour ouais. Clou, 2 pour Loris. Bah, Loris, il s'est barré, du coup. Pas énervé, Loris. Bah, ça fait allez, mal aux oreilles. Une petite dernière. Une petite dernière. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais vous... Ah, si, c'est bon. Pas prévu. Merci. Alors celle-là, elle est dure, hein. Attention. Vas-y. Na 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 na. Le ciel bleu. Edith Piaf. Edith Piaf. Oh là là, oui. Ah, c'est bon, vous m'avez saoulé. C'est bon. Si t'avais fait Billy Crawford, on n'en serait pas là. Si t'avais fait. Ouais, mais c'est des chansons françaises. Ah. Na 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 na. Bonjour. Bon bah écoute, on va dire que t'as gagné, Clou, parce que je pense que tu as réellement gagné. Donc on a gagné quand même. J'ai gagné quoi? Tu le veux, je te l'envoie. Ça part directement sur le poste. Franchement, ça me ferait trop plaisir de le recevoir. Ça fera ma collection, allez, tu vois, j'aurai Billy Crawford. Si tu le signes ou tu te le passes sous les aisselles, un truc comme ça, Nico, tu vois, un truc vraiment qui perd ça. Non, bah alors c'est bon, alors. C'est ça. C'est bon. On veut plus. Non, c'est... Bon. Bon, on se retrouve très bientôt sur RTS, Loris et Gist, dans les bureaux. Ouais. 7h-9h, toujours l'antenne, évidemment, un rendez-vous lundi, effectivement, et puis voilà. Ah, t'es là lundi, lundi de Pentecôte, t'es là? Oui, en live. Ah oui, comme toi, Eric. Bah oui, je suis désolé. Oui, non, mais moi, tout le monde le sait, mais toi, c'est pas évident. C'est pas tout le temps. si, on sera là. On sera à vous, les amis. On reste mobilisés, évidemment, à la radio ou depuis nos domiciles, on est toujours là avec vous, bien sûr. Allez, ça marche. On vous fait des bisous en tout cas et on se retrouve la semaine prochaine. À bisous à tout le monde. Bisous. Ciao. Oh. Salut. Camille, tu restes attentive sur le chat? Ouais, il n'y a pas de problème. Continuez à vous inscrire. De toute façon, vous êtes nombreux à nous demander à participer. Pour voir comment donc, ça se passe. Continuez. Et puis, moi, je vous réponds et on vous fait passer avec les auditeurs. Voilà. Continuez. Ça va. Ça marche. À toutes. À tout à l'heure. Gros bisous. Ciao, ciao, Clou. Ciao. Salut. Ça y est, enfin seul. Ah, ouais. Enfin, retour au calme. Mais il y a Gis qui est encore là, non? Gis n'est pas encore là. Mais oui, il y a son plafond. Laisse-nous tranquille. Non, Gis. Ah, ça suffit. Bon. Clou, on rappelle qu'il y a l'EP qui est sorti le 1er mai dernier dans lequel on retrouve. Alors, on dit quoi? On dit 4 ou 5 titres? Parce qu'il y a deux versions de comment dedans, c'est ça? Oui, il y a une version remix et une version album. Mais on peut dire 5 titres parce que dans le fond, c'est quand même différent la version remix. Vous passez la version remix ou la version album? On passe les deux, nous. On passe la version album. Moi, je mets l'album, je vais faire un tour, je vais me promener, tu vois, faire ma petite vie, puis je reviens après. C'est ça qui est pratique. C'est super. Bon, bah voilà. Non, mais parce qu'elles existent toutes les deux et qu'elles ont leur intérêt, leur petit vernis chacune qui est différent. Et donc. Ceci dit, c'est une bonne idée parce que ça permet d'être diffusé par plus de radios, vu que chacune, tu vois, a son petit style et va choisir celle qui correspondre le plus à sa couleur, quoi, en fait. L'essentiel, c'est quand même d'être diffusé sur RTS, hein. Enfin, on va pas se mentir. Mais c'est vrai, c'est important, c'est très important pour moi. Avant de se quitter, Clou, pour refaire un bond du côté des années 90-2000, je voudrais savoir quelle était ta chanson coup de cœur des années 90-2000 et que tu nous en chantes un petit extrait. Bon, petit blind test, mais c'est trop simple. Enfin, franchement, c'est trop simple. Vas-y. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Voilà. Quand même. Oh. Hey. Un instant. On a tous bien sûr reconnu Régine qui chantait. Non mais c'était trop bien, Axel Red, c'était génial. Ouais. J'étais fan. Toute une époque. Ouais.
Et ça te dirait pas, tu sais, qu'elle chante en duo avec Icar en ce moment. Tu voudrais faire un duo avec Red aussi? Tout à fait. Bien sûr. Que quand elle veut, tout ce qu'elle veut. Je l'adore. Ouais. Ben, on lui dira si on a l'occasion, en tout cas. On fera passer l'info. Cool. Ben, c'est trop cool. Bon, ben, merci en tout cas d'avoir été avec nous. On reste bien évidemment à l'écoute de tout ça. On rappelle que le clip, comme au cinéma, sort mardi. On va le retrouver sur YouTube, bien évidemment. Et clip, on le rappelle que tu as travaillé avec Vincent Delerme. L'EP est là et à la rentrée, on aura d'autres infos pour l'album. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Tout simplement. Ouais. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Salut Clou. Ouais, et à très bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. Ciao. Je t'envoie Billy Crawford. Ah oui, s'il te plaît, c'est important. Bisous. Salut. Bisous, ciao. Ciao.